Salut à tous, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, je vais vous présenter tout simplement un nouveau véhicule du DLC Casino. Donc là, salut moi sur nos chaînes, on va avoir plein de vidéos qui vont sortir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à être actif, il va y avoir des choses. Si vous avez loupé ce matin, j'ai présenté le nouveau, là ce qu'on voit actuellement. Donc c'est le nouveau QG, donc ça s'appelle pas le QG, ça s'appelle une salle d'arcade. Donc si vous voulez voir, j'ai fait ça en live tout à l'heure, il y a la rediffusion du live. Franchement c'est pas mal, on a bien rigolé. Donc c'était pas mal, j'ai présenté tout, il y avait des missions de préparation, c'était pas mal, on a repéré le casino et tout. En tout cas voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le tout nouveau véhicule et pour ce faire, on va aller à mon garage. Donc pour aller à mon garage, hop, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de tout à l'heure, et il y a une salle secrète, et oui. La salle secrète, elle se situe en bas. Vous descendez juste ici. Donc voilà, ça c'est le QG hein, qu'on a tout custom. Et je vais vous présenter le nouveau véhicule. Donc là, on a tous les nouveaux véhicules. Mais moi, le plus important que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc c'est le Maxwell Vagrant, je pense. Vagrant, Vagrant, Vagrant. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Et vous allez dans South San Andreas. Et il est là. Donc prix du véhicule, 2 millions 2. Tout simplement, en fait, comment dire, sans faire l'émission de braquage. Si vous faites l'émission de braquage, en gros, si vous terminez le braquage du casino, 1,6 million, et vous aurez du coup accès forcément au buggy à 1,6 million au lot de 2,4 millions. Mais pour ce faire, au 2 millions 2, pardon, mais pour ce faire, vous devez faire les braquages. Voilà. Mais moi, bon, voilà, vu que, on va dire, je suis riche, hein, donc je me permets de l'acheter à 2 millions pour vous le montrer. Et écoutez, c'est parti. Hâte de tester ce véhicule qui m'a l'air, ma foi, magnifique. Honnêtement. Ok, déjà au niveau de la tenue de route, il est pas mal. Par contre, c'est juste. Parce que je crois que vous n'avez pas le son du jeu. Ok, là, vous avez le son du jeu. Ah ouais, c'est magnifique. C'est un tout nouveau buggy, les gars. Alors, est-ce qu'on va l'utiliser pour les braquages? Je pense, parce qu'il y a un tarif spécial. Ouais, il a une bonne tenue de route, hein. Je vais tester comme ça sans custom pour voir s'il monte des trucs et tout. Ouais, il monte des trucs et tout. Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Ce buggy m'a l'air pas mal. Il est très beau, il est petit aussi. Donc c'est parti, on va le customiser. Et encore une fois, dans les commentaires, on peut noter sur 10 Tac. Bon, la customisation, tout j'ai plein de simplement. véhicules là, ça. Alors, blindage, on met à fond. Frein de course, moteur niveau 4, échappement. Alors on a tuyau titane, on a échappement double carré, ok, échappement x4, échappement carré, ouais. Discret, oh non, c'est pas trop ça. Je vais partir sur le carré, je pense. x4. Ouais. Carré x4 est pas mal. Explosif, non. L, alors on a couleur principale. Ouais, L en carbone. En fait, faut voir. Je vais mettre couleur principale, mais après, il faudra voir si capot, couleur secondaire en carbone, couleur secondaire. Klaxon, on verra après. Phare xénon, kit néon, support néon, la couleur, on verra après. Alors, motif. On a camouflage basique, camouflage gisant coup d'eau, camouflage vaporisé, tricolore avec contour. Bac à sable, moderne, déco, camouflage hivernal. Elle en a 31? Ah ouais, d'accord, on en a vraiment pas mal. Après, alors, juste faire un truc. Alors, on a pièce Santo. Pognon, pognon. Ouais. C'est pas trop ça l'équilibrisation.
Ouais, je vais mettre celui-là, il m'a l'air pas mal. Prévention, rétroviseur couleur 1, couleur 2. En carbone, c'est pas mal aussi. Non, couleur 2. Plaque, on va mettre jaune sur noir, forcément. Peinture. Alors, peinture, on va voir ce qu'on peut. Racing. Est-ce que je partirais sur un jaune racing ou je pars sur quelque chose de plus. Un rouge, pourquoi pas. Non, je pense qu'on va partir sur ce du jaune racing. Ouais, par contre, le motif. Couleur secondaire par contre. Attendez, je vais faire un truc. Ouais. Écoutez, je suis pas très fan, mais c'est un peu bizarre. Couleur finition. Bah, du jaune. Hein. Je crois que c'est le motif qui fait que ça fait dégueulasse. Je vais mettre sans motif, je pense. Ouais, sans motif, c'est pas mal. Je vais juste voir 2 minutes. Peut-être changer la peinture. Ok, on part là-dessus, c'est bon. On est pas mal. Ensuite, toi. Ah ouais, roue de secours, forcément. Phare de toit, projecteur. C'est quoi qui change? Ouais, on va mettre projecteur. Vendre, non. Transmission de course. Coffre. Coffre de série. Turbo, on met roue. Alors les roues, est-ce que si je change, ça change. Ouais, ça change les roues. Tout terrain. Ah, tout terrain, ça va. On va laisser tirer. De toute façon, moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est faut toujours laisser les roues de base en fait. Parce que vous avez les jantes de base et tout. Ok, on en a fini pour la customisation. On va juste changer l'éclairage. Kit néon, support néon. On va mettre du jaune. Fièvre jaune ou jaune. Jaune. Ok. Et le klaxon, on s'en fout. Ok. Donc voilà à quoi ressemble mon petit buggy. N'hésitez pas à noter sur 10 encore une fois. Je l'ai fait vraiment basique. Hein. J'ai pas fait un truc ouf ouf, mais pour moi enfin franchement quand je le regarde comme ça là je me dis il est simple, il vaut mieux faire simple et efficace que faire dégueulasse. Mais juste regarder les motifs quand même. Ouais, c'est pas, c'est du vu et revu les motifs comme ça, c'est pas trop trop ça non plus. Après j'aime bien comme ça, c'est pas mal aussi. Bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je mette un motif ou pas, lequel des 31, parce qu'il y en a 31 quand même. Et franchement, je préfère l'avoir naturel comme ça. Ok, on va tester la tenue de route les gars pour voir si, il est bien ou pas. Mais franchement déjà il y a un truc que j'ai envie de faire, j'ai hâte de tester ce buggy en activité, enfin en parcours, ça va être beau. Ok, déjà il est très très rapide. Il a une bonne accélération. Il a une bonne tenue de route. Ok, je vais sauter le petit saut là.
Il m'a l'air pas mal, hein. Il m'a l'air pas mal. Ah ouais, il monte les trottoirs et tout, hein. Magnifique. Ah ouais, il est vraiment stylé. Ok, je vais essayer de monter, je sais pas, par exemple ça. What the fuck? Ah ouais, il est cheaté le truc, hein. Regardez ça, par exemple, je peux sauter ou passer. Ah, je peux le monter, hein. Je peux même ressortir, je pense. Ah ouais. Ok, le buggy là, franchement. Niveau tenue de route, niveau buggy, y a rien à dire, il est magnifique. Du coup, c'était la customisation du Vagrant, Maxwell Vagrant. Donc, c'est un buggy tout terrain. On va se laisser là-dessus. Et moi, je vous dis, oh bye, oh bye, oh bye, oh bye, oh bye.